C'est face à la formation d'Alila Londoman du Soudan que le TP Mazembe décroche son billet qualificatif pour les demi-finales de la CAF Champions League le dimanche 10 août 2014 dans son stade de la commune Kamalondo. Le premier but part à la 27e minute d'un caviar que Salomon a senti sur Renford Kalaba qui ne se fait pas prier pour loger le cuir au fond des filets. Avant que les Soudanais ne tentent en vain de réagir à la 43e minute, le ballon passe juste au-dessus de la cage gardée par Robert Kidiaba. Au retour des vestiaires, c'est in extremis que Joël Kimwaki sauve celle qui aurait pu être la balle d'égalisation. Quelques minutes suffiront alors pour que Solo Asante ne profite d'une bourde du gardien soudanais pour le dribbler et envoyer le ballon du 2-0 dans les buts vides. Sans s'arrêter, la machine anglais-bertoise s'offre un troisième but par un centre de Samata prolongé dans les buts par Adama Traoré à la 73e minute. Et c'est dans les ultimes minutes de récupération que les Soudanais inscrivent le but de l'honneur. 3-1, le TP Mazembe est en demi-finale.